bonjour, vous êtes en attente, l'alphabet au quotidien. Quelques instants de détente avec de courts entretiens. Te dérange, Diane? Non, j'étais dans ma bulle, comme on dit. Ah, et tu étais bien dans ta bulle? Oui, j'étais avec Saint-Vincent de Paul. Avec qui? Avec Saint-Vincent de Paul. Ne t'inquiète pas, ce n'était pas une vision. Mais je me rappelais un bon vieux film français que j'ai vu il y a très longtemps, qui s'appelait Monsieur Vincent. Ah. Et quelque chose t'a frappé dans ce film? Oui. Tu sais, M. Vincent aidait les pauvres, les sans-abri et les démunis. Oui, je sais. Alors, il avait associé à ses œuvres les dames riches de la noblesse. Et dans la scène qui me touche, me rappelle, il était mourant. Et une comtesse était venue le visiter. Et cette comtesse lui avait dit: Monsieur Vincent, vous avez sûrement pas peur d'aller rencontrer votre créateur. Vous avez fait tellement de bien. Que voudriez-vous avoir fait de plus? Elle avait raison. Et Monsieur Vincent a entrouvert les yeux. Il lui a répondu d'une voix faible: Oh madame, j'aurais voulu faire davantage. Davantage. C'est tout un programme de vie. Et je comprends que c'est ton mot en D. Tu as compris. Et pour la lettre, et pour mon programme de vie. Et toi, ton mot en D? En m'en venant par ici, ben, je pensais à mes difficultés. Tu as des difficultés? Et toi, tu n'en as pas de difficultés? Qui n'en a pas? Tu fais comment pour t'en sortir? Eh bien, ça dépend de la difficulté, bien sûr. Mais je me dis que la pire chose à faire, c'est de me décourager. Alors, je me répète que j'ai déjà surmonté des obstacles et que je fais encore l'effort pour en faire autant. Et ça me donne le courage de faire ce qu'il faut pour les surmonter. Ça semble être une bonne stratégie. C'est l'autre jour, j'ai reçu un message sur ma page Facebook. Tu sais, on reçoit toutes sortes de textes. Tu peux le dire, on en reçoit des messages de nos amis. Ouais. Et dans le texte que j'ai reçu, ça disait, c'est un peu que je me rappelle comme il faut, ça disait, c'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'espérance. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Eh bien, mon cher, tu as toute la stratégie dont tu as besoin. Essayer de tout ton cœur, c'est la façon de surmonter ces difficultés. Je te laisse avec M. Vincent. Et je te laisse avec tes amis Facebook. À demain. À demain.